Vous avez un terrain dont vous ne savez que faire, et plus particulièrement un terrain à proximité d'un bar à choix, eh bien, sachez que Conservation de la Nature Canada est extrêmement intéressé à en faire l'acquisition, moyennant, bien entendu, un prix raisonnable, on s'entend. Un bon exemple de cette situation, eh bien, c'est tout récemment, donc, Conservation de la Nature Canada, qui a fait l'acquisition d'un terrain à proximité du bar à choix de la rivière Nouvelle. Un bar à choix tout à fait particulier, puisqu'il héberge, entre autres, le satyre fauve des maritimes, un tout petit papillon qui est en voie d'extinction. Et justement, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'est Conservation de la Nature Canada et l'importance de conserver justement les différentes espèces en voie de disparition, eh bien on en parle avec Camille Bolduc, qui est chargée de projet chez Conservation de la Nature Canada. Tout d'abord, bonjour Camille. Bonjour. Tu es donc chargé de projet pour Conservation de la Nature Canada et vous venez tout juste de faire l'acquisition d'un tout nouveau terrain dans le bar à choix de la rivière Nouvelle. Mais j'aimerais qu'on commence tout d'abord pour peut-être rappeler un petit peu aux gens ce qu'est Conservation de la Nature Canada. Oui, bien sûr, mais je tiens à rappeler que c'est un organisme sans but lucratif qui travaille à la préservation des milieux naturels là, sur l'ensemble du territoire là, canadien. Mais nous, plus précisément, ici, on travaille sur la péninsule gaspésienne. Puis, on préserve les milieux naturels grâce à l'implication de propriétaires privés, parce qu'on travaille en terre privée. Donc, c'est des gens qui font le choix de préserver leur terrain, donc soit en cédant ou en vendant leur propriété à un organisme comme le nôtre. Et là, à ce moment-là, vous devenez propriétaire de ce terrain? Oui, exactement. Donc, ça nous permet là, d'être propriétaire à perpétuité, donc nous assurer que le terrain demeure préservé là, d'année en année, en allant le visiter, en vérifiant s'il n'y a pas des nouvelles menaces au milieu naturel, puis en s'assurant que les espèces qu'on vise à protéger demeurent encore en bon état sur le terrain. Et là, les terrains dont vous faites l'acquisition, est-ce que c'est lié directement à des espèces en particulier que vous identifiez? Oui, mais ça dépend toujours de la propriété. Souvent, c'est par rapport à l'habitat, au milieu naturel en tant que tel. Donc, l'importance des milieux humides et des milieux côtiers là, n'est plus à démontrer. Je pense que on sait tous là, que c'est des milieux importants bon, au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau de leur fonction écologique. Surtout en milieu côtier, là, où on sait que ça peut aider à préserver les infrastructures et les communautés côtières là, de tous les changements climatiques qui nous arrivent. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on annonce là, aujourd'hui, c'est vraiment, ça nous permet de préserver l'habitat d'un papillon qui est en voie de disparition, donc le satyre fauve des maritimes, qui est vraiment endémique à la baie des Chaleurs. Donc ça veut dire qu'on le retrouve uniquement dans les marais là, de la baie des Chaleurs au Québec et au Nouveau-Brunswick. Donc, il n'y en a pas d'autres ailleurs dans le monde. Là. C'est simple, c'est seulement ici. Puis, il y a une population assez importante dans le bar à choix de la rivière Nouvelle. Donc, ça nous permet de protéger directement son habitat. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce joli papillon? Ben, c'est simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc, c'est dans un principe de préserver toute la biodiversité, donc de ne pas perdre d'espèces là, dans l'ensemble de la nombreuse biodiversité qu'il y a dans le monde. Donc, on sait qu'on doit là, suivre l'habitat, suivre ce papillon-là qui se retrouve vraiment juste dans quelques marais. Au barjon de la rivière Nouvelle, je pense que c'est à peu près un 26 000 individus qu'on retrouve. Puis ça, c'est à peu près 39 % là, de la population mondiale. Donc, d'être propriétaire, ça nous permet, dans le fond, d'avoir un regard, d'avoir une certaine surveillance sur la population. Quand on a besoin de faire des inventaires, vérifier s'il n'y a pas des menaces à son habitat. Par exemple, on sait qu'il y a des espèces envahissantes qui peuvent prendre le dessus dans les marais. Donc, on va surveiller tout ça là, comme propriétaire. Et puis, quand est-ce qu'on peut observer ce joli papillon? Bien, c'est un papillon qui passe tout son cycle de vie dans les marais, dans ce marais-là en particulier. Donc, il ne va pas migrer, il va faire tout son cycle au niveau des larves, l'alimentation, reproduction. Puis, il est quand même petit, il est dur à observer. Donc, c'est sûr que je n'incite pas nécessairement les gens à aller dans le marais pour l'observer parce que c'est sûr que si on se déplace dans son habitat, on peut perturber les larves et les espèces qui vont
qui vont utiliser, les plantes qu'ils vont utiliser. Mais donc c'est ça, c'est vraiment, ils vont voler au-dessus du marais dans le barrage de la Rivière Nouvelle et un peu plus loin à Saint-Omer. Donc, si je comprends bien, quand vous faites l'acquisition d'un terrain, entre autres, pour protéger un papillon tel que le satyre fauve des maritimes, ce que vous visez aussi, c'est à protéger son habitat en général. Conséquemment, la population n'est pas invitée nécessairement à aller faire un tour dans les aires que vous protégez. Non, exactement. Donc, ça dépend toujours des propriétés qu'on protège. Des fois, il y en a qui se prêtent à être accessibles, mises en valeur. Puis à ce moment-là, ben, on va mettre en place des infrastructures qui aident là, à l'accessibilité. Mais dans le cas de terrains comme ça, milieu humide, habitat important pour une espèce en voie de disparition, je pense que c'est de mise de pas fréquenter là, le milieu. De base, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs ou d'usages dans le marais. Je crois qu'il n'y a pas, tu sais, quand on y va, on voit pas beaucoup de traces là, humaines. Donc c'est bien. Je pense que s'il y a de la sensibilisation à faire sur l'habitat, puis l'espèce, c'est mieux de le faire en dehors du marais. Donc je pense que justement là, à Saint-Omer, il y a des endroits pour s'arrêter, puis on peut observer le marais plus de loin. Et puis, bon, là, on parle du satyre fauve des maritimes, mais j'imagine qu'il y a d'autres espèces qui côtoient le papillon. Puis je pense qu'il y a plusieurs espèces aussi qui sont menacées dans le coin. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que de protéger l'habitat du satyre, ça nous permet par la bande de préserver d'autres espèces qu'on retrouve dans le marais, comme le râle jaune, le hibou des marais, le bruant Nelson, c'est toutes des espèces qui sont en situation précaire. Donc, de préserver l'habitat, ça les aide aussi là, dans le rétablissement de ces espèces-là. C'est une barrage choix, c'est aussi là, le passage du saumon atlantique qui remonte vers la rivière Nouvelle. Donc, ça préserve aussi les espèces aquatiques là, qui fréquentent le barrage choix. Si on regarde, vous êtes en mode acquisition, je pense qu'on s'était parlé, je me souviens plus si c'était l'an dernier ou l'année précédente, vous aviez fait une acquisition dans le coin du bar à choix à proximité de Percé. Dans ce cas-ci, c'est aux environs de Nouvelle. Est-ce que vous avez l'intention de faire d'autres acquisitions dans le futur? Oui, c'est sûr que c'est la manière qu'on travaille avec les propriétaires privés, entre autres, c'est de se porter acquéreur de terrains dont les gens souhaitent se départir. Donc, c'est sûr que les barachois, barachois de la Rivière Nouvelle, barachois de Malbaie, sur la pointe de la Gaspésie, c'est quand même des grands milieux humides qui ont une grande variété d'habitats qui sont reconnus là, comme étant importants au niveau écologique. Donc, quand on a l'opportunité de travailler avec les propriétaires qui ont des terrains dans ces milieux-là, bien, on va le faire. Donc, à ce moment-là, il faut regarder les différentes options qui s'offrent à eux, puis voir comment arriver à préserver ces terrains-là avec eux. Mais c'est sûr, c'est des milieux qu'on considère disons, comme prioritaires là, en Gaspésie, tout ce qui est marais côtier. Très bien. Camille, merci beaucoup pour sauver les papillons, en fait, ainsi que toutes les espèces que nous côtoyons, en fait, sans même nous en rendre compte. On se rend compte que vous abattez un travail absolument considérable. Bien hâte de voir la suite, en fait. Et puis, on va vous souhaiter un très joyeux Noël, puisqu'on peut dire que les papillons, dans ce cas-ci, c'est le cadeau que vous nous faites pour la postérité. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup. Puis à l'approche des fêtes, là, si les gens considèrent poser un geste significatif pour je les invite à penser au milieu naturel, au milieu côtier qui les entoure. Puis s'ils veulent poser un geste concret comme faire un don à un organisme de conservation ou même penser à céder un terrain qui sont dans ces milieux-là, ben n'hésitez pas à nous appeler pour regarder tout ça avec vous. Merci beaucoup, Camille. Et de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Au revoir. Au revoir.